Salut à tous, c'est Kira, on part pour la découverte d'un nouveau jeu qui se nomme Felix the Reaper. C'est un jeu un peu de casse-tête où on va devoir déplacer un personnage sur des cases. L'objectif c'est d'arriver au point de rendez-vous qui est juste ici. Bon là du coup très simple, hein, j'ai juste à avancer tout droit. Voilà, vous avez compris le concept, c'est très très facile. Alors on y va, maintenant je dois retourner de l'autre côté. Alors le personnage danse en même temps, hein. C'est un peu leur délire, hein. Regardez-moi ce personnage bouger son popotin, c'est assez incroyable. Bon, la map s'agrandit du coup, et on va devoir aller maintenant ici. Sauf que si je fais ça... Ah si, c'est bon, on tombe pas. D'accord. Ok, je pensais qu'on allait tomber. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Je peux déplacer ma caméra de cette façon. Le jeu est plutôt bon en vrai. Je trouve des bons graphismes. Enfin, en tout cas, ça passe plutôt bien. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Push. Ah, on va pouvoir changer, en fait, l'ombre. Et ça, ça va être important, je crois, pour la suite. Je crois, hein. Ok, là je peux me diriger ici. En fait on va pouvoir se déplacer uniquement dans l'ombre. Et on va devoir utiliser l'ombre. Voilà, on va devoir utiliser l'ombre des arbres. L'ombre des voilà, des personnages. Pour aller à l'endroit indiqué. Parce qu'il faut savoir que Felix the Reaper n'aime pas le soleil. C'est un c'est un vampire, pas du tout. Ce n'est pas du tout un vampire. Ok, donc là maintenant je vais devoir aller vers le personnage. Donc ici je vais devoir changer le sens. Voilà, et ensuite je vais pouvoir aller là-bas. Excellent. Tiens! Parfait! Et maintenant, attendez, attendez! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais la map s'agrandit tellement! Et maintenant, je dois glisser et déposer ou je ne sais quoi d'autre pour que cet humain se retrouve en position fatale. Je dois le déposer ici. Donc là, c'est pareil, je redéplace tout ça. On va aller jusque là-bas. Et là, je vais pouvoir le déposer ici. Excellent. Et voilà! Et ça c'est le premier level du coup, c'est pour nous expliquer les bases du jeu. Donc vous avez compris maintenant comment ça se joue. On va passer à des levels de plus en plus compliqués. C'est parti, on se barre avec le... Voilà, il y a un ascenseur, hein. Ne cherchez pas la logique dans le jeu, c'est un jeu un peu féerique. Ouais bon, l'histoire on s'en fout un peu. Circuler. On y va, pour le deuxième level. Donc voilà, on doit se déplacer d'autres personnages dans l'ombre. Donc c'est vraiment un jeu où on doit se prendre un peu la tête, hein. Mais c'est très cool, c'est très très cool. Donc là on part pour ce level là je crois, triste confusion. On va voir qu'on puisse aller ailleurs. Tous les autres sont bloqués pour l'instant. Ok, go. Le tutoriel on vient de le faire. Donc là on peut passer au deuxième level normalement. Yes, go. Bon, il nous parle beaucoup, hein. Moi j'avoue que l'histoire m'intéresse pas forcément. Je suis là surtout pour le gameplay du jeu. Donc voilà. Alors je sais pas si le jeu est sur mobile. En vrai c'est une question que je me pose parce que généralement ça c'est des jeux qui passent bien en mobile. Donc ça tombe, le jeu est disponible en mobile. Je sais pas du tout. Allez c'est parti. Un appel pour moi. On doit aller jusqu'ici. Bah là j'ai juste à me déplacer là. Ah mais comment je vais aller dessus là, je peux pas. Donc là si je fais ça je meurs. Ah attendez attendez attendez. J'ai peut-être une idée. Ok, donc là je suis toujours caché par l'ombre. On va aller là-bas. Non, ici. Là, normalement, je vais être encore caché par l'ombre. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir récupérer l'animal. Voilà. Et donc, on va devoir le ramener là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention au décor. Vous voyez que là, il y a un arbre, par exemple. Donc, je sais que quand je vais tourner le soleil, on va être encore dans l'ombre. Donc là, je me replace ici. On retourne ça. Et là, on va pouvoir déposer, du coup, le cerf. Excellent! Donc il y avait un autre personnage que je pouvais aller récupérer aussi. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Voilà. En fait on doit recréer un peu les tableaux. Non je pense que j'étais obligé de poser ce cerf là. Je pouvais pas poser d'autres personnages. Excellent. Allez mission suivante, hein. On enchaîne. Allez allez, on a compris le but du jeu, l'objectif. On enchaîne, on perd pas de temps. Alors maintenant on doit... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une manette ici. Bah, je vais aller actionner la manette tout de suite. Ok, ça bloque le chemin, du coup, ça ramène ça. Attendez, on va se cacher, parce que là, il va y avoir de l'ombre. Si je tourne ça ici, il va y avoir de l'ombre là, non? Pas du tout. Faut que j'aille un peu plus loin. Là, je suis dans l'ombre. Ah, je peux récupérer sa tête? Ah oui, d'accord, ok, je récupère sa tête. Et je vais devoir la poser où? Alors là, je vais tourner ça. Ah, je vais devoir la poser dessus, je pense. On va y aller. La prise en main est vraiment, vraiment facile en vrai, hein.
Et là, je pose sa tête dessus. J'ai une tête, je sais pas trop quoi en faire. On va devoir faire quelque chose avec cette tête, mais... Ah, je dois réactionner. Attendez, j'ai peut-être une idée. Je réactionne ça. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir passer ici. Ouais, voilà. Et la tête, je vais devoir la mettre quelque part. Ici, là. Voilà. Donc, ils nous disent pas vraiment ce qu'on doit faire, mais on doit trouver. On doit trouver par nous-mêmes. Donc, c'est très sympa. Et c'est parti. Le personnage me tue de rire. Oh, il me tue de rire. À danser comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dossier classé, objectif accompli, d'accord. Allez. On va essayer de faire quelques mondes comme ça. Je sais pas si on fera tout le jeu. Voilà, ça dépendra si le jeu vous plaît. Et si j'ai aussi le courage de tout faire. Mais en tout cas, déjà avec un épisode, on va pouvoir découvrir pas mal de levels. Bon, les mondes vont être de plus en plus grands. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc là, ils me disent carrément... Ah, faut que je ramène le tonneau au personnage. Ça a l'air d'être ça. Je dois ramener son tonneau. Ouais, je dois ramener son tonneau, très bien. Alors, son tonneau est là-bas. Alors, si j'actionne ça, il se passe quoi? Ok. Très bien. Alors là, si je tourne ça, je suis toujours caché par l'ombre. Pour aller là-bas. Là, toujours caché par l'ombre. Alors, pour récupérer le tonneau, il est quand même assez loin. Là, par contre, je suis au soleil. Faut que j'analyse. Ah, est-ce que je peux pas récupérer ce machin? Si, je peux récupérer ce machin. Yes. Prévaliser l'ombre, garder le bouton enfoncé. Ah! D'accord, on peut faire ça. Ah oui, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on peut savoir où est-ce que l'ombre va arriver. Non, c'est avec mage. Ah, juste avec mage. Ok, donc là, je sais que je suis mort. Il faut que je me mette là. Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc de foin là? Je le mets à la place du... Vous pensez que je peux le mettre là? Je lui donne. Tiens. Je pense pas que ça lui intéresse, mais... Je sais pas du tout ce que je peux faire avec ce morceau de foin. Hein. Je peux le poser où je veux en fait. Hein. On va le poser là pour l'instant. Ouais, on va le poser là pour l'instant. Là, je peux pas aller là-bas. Je vais réactionner le bouton, tiens. On va réactionner le bouton. Je vais rebouger ce truc-là. Hop, on va aller là. Je vais passer. On va aller jusque là-bas. Il y a forcément quelque chose à récupérer ici, non? Même pas. Non, il n'y a rien à récupérer. Ça, je peux pas le récupérer. J'essaye de comprendre. Hein. Là, je peux aller là. Ah, je peux peut-être le récupérer d'ici. Non, impossible. Ah, mais attendez, attendez, j'ai une idée. On peut utiliser l'ombre du machin. Ah, mais je viens de comprendre. C'est bon, je viens de comprendre. En fait, avec cet objet-là, on va pouvoir l'utiliser pour créer de l'ombre. Enfin, je pense. Donc là, si je le place là... Voilà, et là, je peux aller chercher le tonneau. Ah, il fallait y penser, en vrai, hein. En vrai, il fallait y penser. Et là, j'ai le tonneau. Et on peut... Allez, lui donner... Et voilà, ok. On peut du coup prendre les objets et utiliser l'ombre des objets. Alors vu qu'ils nous l'ont pas expliqué, forcément sur le coup je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Alors, maintenant ça paraît tout à fait logique. Hop. Oula, c'est bon, t'as retrouvé ton alcool, t'es content, let's go. Allez, il nous reste encore deux levels et on aura terminé ce monde là. Je sais pas après à la fin s'il y a une sorte de boss ou quelque chose comme ça. Alors. En fait, il nous explique directement ici, d'accord. Il faut récupérer les cailloux et le mettre dans le tonneau. Donc, on a encore des objets. On a encore des objets par ici. Oh, il commence à y avoir plein de choses. Hein. Il commence à y avoir plein de choses. Si je vais là-bas, il se passe quoi? Je sais même pas ce que ça fait, ça. Ok, ça actionne ce machin. Très bien.
Alors là, si je me mets là, je peux aller récupérer les cailloux, on est d'accord. On va déjà aller récupérer les cailloux. Donc je dois mettre ça dans le tonneau là-bas. Hein. Ça a pas l'air si compliqué. Attendez, ça a pas l'air si compliqué. Si. Voilà. Ah. Il faut rester appuyé. Donc faut mettre quelque chose dessus. Et je crois avoir compris. Comment je vais faire pour me déplacer là? Alors, au pire, je prends le caillou. Est-ce que le caillou peut faire de l'ombre? Après, ce que je peux faire pour l'instant, c'est de prendre le caillou et de le poser sur le... On va essayer de faire ça. Pour l'instant, les cailloux, je vais les poser dessus. Voilà. Comme ça, ça déplace ça. Et là, ça va peut-être nous aider parce que ça va faire de l'ombre. Oui, ça va faire de l'ombre et on va pouvoir récupérer ce machin. Ok. Très bien. Alors, si je le pose là... Non, je vais devoir l'utiliser, du coup. On va essayer de le poser dessus. Hop. On va prendre ça, on va le poser dessus, voilà. Et là, du coup, est-ce que je peux aller là-bas? Ok, non. J'ai pas fait dans le bon ordre. En fait, avec ça, je dois récupérer l'autre truc. J'ai compris. Je vous le dis. J'ai compris. Là, je fais ça. Là, je récupère ça. Là, je le pose ici. Non, c'est pas bon. Là, je le pose là. Ah, mais ça m'aide pas à passer de l'autre côté. Ah si, attendez. Je peux pas le poser plus loin. Faut que je trouve un moyen de récupérer cette botte de foin. De toute façon... Ah mais oui, comme ça. Oh là 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 là, c'était si facile. Oh, c'était si facile. C'était si facile, mon dieu. Du coup, pour l'instant, on va la laisser là. Hop. Je récupère celle-là. Oh, c'était si facile, mon dieu. Hop, ça, je le pose ici. Allez, vas-y. Hop. Voilà, on récupère du coup la pierre. Et là, normalement, on va pouvoir passer. Non, pas tout de suite encore. Je pose la pierre là. On va récupérer ça. Si je pose ça là. Voilà, et là je peux passer. Bon, là non, du coup. Là je peux passer. Et voilà. Ok, très bien, pas mal. Vraiment pas mal comme level. Vraiment cool. Très bien. Bon, j'ai mis un peu de temps hein, pour récupérer la botte de foin, mais... Voilà, j'avais compris l'idée. Allez, c'est parti pour le dernier level de ce premier monde. Let's go. En tout cas, je trouve ça vraiment sympa comme jeu. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le concept. Je trouve vraiment que le jeu a clairement du potentiel. Oui, bon, allez, dites-nous ce qu'on doit faire directement. On doit faire tomber, du coup, le masque sur la tête du personnage. Ok, donc je vois déjà le truc. Il va falloir ramener le tonneau là-bas. Ah, il va falloir ramener le tonneau là-bas, je pense. Je pense que c'est à peu près cette idée. Ok, donc là on n'a pas beaucoup d'ombre. Là on va se mettre là. On va déjà actionner ça pour voir ce qui se passe. Ok, mais quand je sors, malheureusement, le chemin se referme. Je peux pas récupérer quelque chose ici, par hasard. Mais je peux récupérer le tonneau, en fait. En vrai. Du coup, je récupère le tonneau tout de suite.
On va le garder, je vais le garder. Et je pose le tonneau dessus pour l'instant, tout simplement. Tout simplement. Et là on avance. Ok, donc maintenant je récupère le foin. Alors par contre, où est-ce que je vais le placer? J'en ai aucune idée. Ok, je peux peut-être le placer là du coup. Comme ça là on peut avancer. Je le récupère. Il va falloir ramener le tonneau là-bas. Ouais, j'ai du mal à comprendre comment je vais ramener le tonneau. J'essaye de comprendre. Hein. Est-ce que je remettrai pas le bot de foin dessus pour amener le tonneau là-bas? Je pense qu'on va faire ça. Là, je fais ça. Ça, je le pose à la place du tonneau, du coup. Hop. Ou alors, attendez, non, je peux réutiliser. Attendez, je peux peut-être réutiliser les deux. Si je pose le tonneau là. Et j'ai une idée. Je vais là-bas. Si je retire ça, il se passe quoi? Ah voilà, voilà. En vrai, on peut faire ça. Du coup, on bloque. Ah, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Là, du coup, si je fais ça, je peux aller là. On va y arriver, on va y arriver. Ah merde! Oh non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. 100%, là, je peux avoir les deux objets. Là, je peux faire quelque chose. Enfin, je pense. Ah, je suis tellement pas sûr. Attendez, si je change le... Ah mais si, attendez, j'ai juste à faire ça. Oh là 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 là. Et là, du coup, j'ai le tonneau. Non mais là, c'est bon, c'est réussi en vrai. Là, c'est réussi. Je fais ça. Attendez, je pose ça là. Je récupère ça là. Ici. Je le mets là. Non. Je le mets là. Là, je fais ça. Là, je passe ici. Là, si je récupère ça, je meurs. Non, il faut que j'interchange. Non, 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 attendez. Là, je fais ça. Là, je récupère ça. Je le mets là. Je le repose ici. Non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Ça, je le pose là. Là, je récupère maintenant le tonneau. Non, surtout pas ça, sinon je meurs. Le tonneau, maintenant, je le récupère. Et là, je peux aller là-bas. Et balancer le tonneau. Enfin, enfin, enfin. Et c'est réussi du coup. C'est réussi. On va pouvoir la prochaine fois faire le chapitre suivant si vous avez envie de voir la suite de Felix the Reaper. Et bah écoutez, vraiment très bien. Vraiment très bien comme jeu. Franchement, j'ai kiffé. Donc en tout, on a... Alors combien il y a de monde? Il y a en tout 5 mondes, je crois. Donc le jeu a pas l'air d'être très long. Mais après, il faut voir. Si les prochains levels sont vraiment très compliqués, et bah il y a moyen de... Voilà, il y a moyen de bien s'amuser. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo découverte sur Felix the Reaper. Je vous dis du coup à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos sur ce jeu. Merci à tous, portez-vous bien, salut.